J'admire toutes ces personnes à 20h qui applaudissent avec sourire pour rendre hommage aux gens du soin, camions et boeurs, avec leurs mains, pour leur courage. À ceux qui œuvrent, la liste est longue, dans ces grands moments de douleur. Et une profession est dans l'ombre, alors qu'elle œuvre avec grand cœur. Les intermittents du spectacle, les musiciens, ceux de la technique, du son de la scène, de la lumière, qui sur les réseaux laissent une trace. Comme les poètes, avec leurs vers. Pour les saltimbanques, les musiciens de la rue, les gens du cirque et du théâtre, tous ceux qui gravitent aux alentours de toutes les scènes et des spectacles, pour ceux qui illuminent chaque jour avec leur spot la finesse de leur art, les gens du son qui de leurs oreilles nous donnent l'émotion, le timbre et le savoir, à toutes ces heures, des kilomètres de passion, de répétition et de travail. Ces moments partagés et offerts à tant de personnes inconnues, sans rien attendre en échange, juste des commentaires ou des tweets sur des tablettes pour quelques vues. Depuis, la culture est en berne, il n'y en a plus. J'espère que le cœur sera le même quand les intermittents et tous les arts descendront dans la rue. Pour les bars, les festivals, cérémonies, MJC, anniversaires, salles de spectacle, concerts privés, ou tous ces spectacles impromptus. Le monde du spectacle, innombrable, j'espère le voir rejouer de nouveau. Mais l'heure est triste et l'heure est grave. Car de la haute, rien de nouveau, rien de choisi pour les troubadours et leurs spectacles, pour leur revenu, leur avenir, leur vie. Alors nous demandons une année blanche pour pouvoir repartir à nouveau. Car la culture est une union économique et plus sociable. Elle est aussi éducation sur le monde, de l'émotion et de la sensation. Elle est le souvenir des histoires de l'avenir et du passé. C'est un outil précieux et obligatoire pour divertir et imaginer. Elle est l'essence créative pour nous aider à définir le beau, le bien, avec nos yeux. Et même s'ils essayent de tuer en cette période intermittente, et s'ils projettent d'endormir la culture, l'union se fera forte et grande, en musique et en mesure.